Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept dont j'ai eu l'idée. Donc voilà, donc comme vous voyez ici, j'ai un booster Pokémon, Impulsion Turbo. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, sauf que je vais vous montrer toutes les cartes, sauf la dernière. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à un jeu. Donc là, on est 4. Donc voilà, il y a Firen, Salut! il y a Lurula. Salut tout le monde! Et il y a Seb, mais qui ne peut pas parler. Donc bah voilà, c'est pas grave. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à un jeu. Donc on va jouer à Minecraft. Donc on changera de jeu à chaque vidéo si jamais j'en fais plusieurs. Et donc le but, c'est que le premier, en fait, qui va ramener soit un diamant, soit une émeraude, soit 5 minerais d'or. Donc au niveau du point de spawn, le premier qui les ramène gagne la dernière carte. Et du coup, quand on a fini, on monte la dernière carte, ce que c'est, du coup. Et ce qui fait qu'on joue en ne sachant pas pourquoi on joue. Donc on ne sait pas si c'est une rare, si c'est une holo, si c'est une ultra, on ne sait pas. Donc du coup, on a le stress de ne pas savoir. Moi, j'ai le stress du coup de perdre ma carte. Donc voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire, donc on est quatre, mais il va y avoir deux vidéos. Donc il va y avoir mon point de vue et le point de vue de Firen. Et du coup, on va se mettre en équipe de deux. Et donc il y aura Lurula et Seb. Le truc, c'est que pour choisir l'équipe, eh ben, on va utiliser les cartes aussi. Donc du coup, Lurula et Seb vont choisir un type de Pokémon. Donc voilà. Lurula, donne-moi ton type, s'il te plaît, que tu veux. Vol. Ah, vol, ça n'existe pas en carte Pokémon, ça. Ah Enfin, bon? je crois pas. Ah merde. Il Et est normal, mais vol, ça m'étonnerait. bah normal alors écoute. Et D'accord. Seb il veut psy, il a spammé sur D'accord, donc Seb il veut psy, donc psy, ça c'est sûr que c'est bon. Donc voilà, donc si jamais je tombe donc sur la première carte d'un des deux types qui correspond, c'est la personne qui sera avec Ah. moi. Donc si je tombe en premier sur un type normal, je serai avec Lucie, et si je tombe en premier sur un type psy, je serai avec Seb. Voilà, et donc ils pourront m'aider, donc enfin ils pourront aider et aussi aider Firen bien sûr. Et la seule chose qu'ils n'auront pas le droit de faire, c'est de ramasser les blocs de minerai qu'on a besoin. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ils sont en train de se marrer, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est parti. Donc on va ouvrir le paquet. Bon. Et comme la dernière fois, je galère à l'ouvrir, sinon c'est pas drôle. Voilà, hein, donc c'est pas grave. Bon, on va prendre de l'autre côté. Booster vs Arnold, le booster gagne pour une deuxième fois, hein, voilà. Can do it. Voilà. Voilà, donc le code. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Et j'enlève la dernière carte que je vais poser derrière. Et voilà. Et donc, c'est parti. Et donc déjà, eh ben, on a déjà un type psy. Donc du coup, je suis avec Seb. Voilà. Donc on a un type psy, chauve-sourire. Et on avait un type normal en deuxième. Bon bah voilà. Comme ça, c'est fait. Donc Furiglon. Marisson. Bah Marisson encore. Bah. Ah, c'est deux cartes différentes, ok. Zorua. Alors, lettre du professeur, entrée sœur, Pérégrin, lien spirituel des Molosses, Bruivern en reverse, voilà. Donc voilà, donc on verra ensuite ce que c'est que la dernière carte, à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc voilà, c'est parti, on va se retrouver sur Minecraft maintenant. Alors voilà, du coup, c'est bon, on est sur le jeu. Donc voilà, Colin, t'es prêt à te connecter, j'espère. Et donc, Oh ouais. Lurula et Seb aussi. Donc, du coup, pour que ce soit équitable, ce qu'on a fait, c'est que Lurula et Seb ne parleront pas, vu que Seb ne peut pas parler, du coup. Et donc, voilà, donc je vais dire 3, 2, 1, go. Et ensuite, on se connecte. Et c'est parti pour la chasse au minerai. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, donc j'espère que on va pas mettre plus de temps à se connecter. Donc, voilà, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un spawn. Donc c'est Seb et Lurula qui ont construit le spawn. Voilà. Je vais aller voir un peu comment il est. Voilà. Et donc, c'est ici qu'on devra revenir déposer nos minerais. Donc, quand on les aura trouvés. Voilà. Donc, sur ce, c'est parti. Moi, je vais aller chercher du bois hein, pour commencer déjà. Donc, du coup, je suis avec Seb. Je sais pas qu'il fait, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais ramasser du bois. Puisque ça peut être utile pour faire des pioches. Hein. Voilà. Tout de même. Alors du coup j'ai vu que Colin a vu l'achievement de Taking Inventory, voilà. Donc ce qui vous laisse bien voir, donc on n'a jamais été sur le serveur avant.
Parce que bon bah. Taking inventory, le truc qu'on a genre de base direct. Hop, on va faire ça. Voilà. On va casser ça et puis on va aller chercher de la cobblestone. Déjà. Alors on arrive. Je sais pas trop s'il va bien tout faire nuit ou pas, du coup, vu qu'il pleut dans le jeu. Ah ah, intéressant ça. Intéressant. Bon, déjà, ça c'est cool. T'as déjà dû faire, je parie. Non, non, j'ai pas dû faire. J'ai juste trouvé l'entrée d'une grotte en fait. Donc j'espère que c'est pas une, un truc tout petit, mais ça a l'air de descendre pas mal quand même. Voilà, donc je vais prendre un peu de pierre, hop, voilà. On va se faire une pioche en pierre maintenant. Voilà. Hop. On va descendre la table de craft avec moi. Hein. Et hop, c'est parti. Alors j'espère qu'on va voir quelque chose par contre, parce que là, du coup... Ouh, il y a un creeper en bas, c'est intéressant ça. Il y a un peu de charbon ici, je vais le prendre pour faire des torches à plus utile. Voilà. On connaît, il est pas très bavard. Hein. Ouais, non, désolé, je suis un peu concentré pour le coup. Merde. Hop. Donc déjà, il va falloir trouver du fer, hein, ça, parce que bah, pour miner le bloc. Alors là, il y a un creeper, il va m'exploser la tronche, voilà. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas trop, je suis à quelle profondeur, on va appuyer sur F. Alors je sais plus c'est marqué à quel endroit, donc voilà, donc vous voyez le truc dégueulasse écrit énorme en plus. Oh là là, je suis plus du tout profond en fait. Voilà, donc ça c'est bien par contre. Donc on va déjà faire ça. Alors le problème c'est qu'il me faudrait un peu de charbon. J'en ai vu quelque part ici, voilà. Bon alors par contre Seb, je sais pas du tout où il est. Il m'a pas suivi, donc il est peut-être parti tout seul du coup. Voilà. Oh, il y a un zombie par là, dis donc. Bon là, faut qu'on fasse un peu gaffe aux mobs, hein, parce que sinon... On pourrait bien recommencer tout à zéro. J'aime pas trop ce bruit là. Je sais pas où ils sont, mais ils doivent pas être très très loin. On va avancer un petit peu pour voir il y a quoi. Okay, ça a l'air de continuer par là. Je fais des torches au KM, ok. Enfin, moi aussi je vais en faire de toute façon parce que ça peut être utile déjà pour, bah, pour voir mieux et en plus ça nous permettra de retrouver la sortie de toute façon. C'est bien d'éliminer, mais encore faut-il retrouver l'endroit où on doit sortir. Donc voilà. Moi sinon j'ai juste fait cramer un petit peu de blocs de fer. Oui, j'ai déjà trouvé du fer, Colin, je sais pas si c'est ton cas, mais... Ouais, ouais. Moi j'en ai trouvé quelques-uns déjà. T'inquiète. Genre de comme faire une pioche, une épée, des trucs comme ça déjà. Histoire de... Bon, je ramasse pas mal de charbon, comme ça je vais pouvoir me faire pas mal de torches. De toute façon j'attends que mon fer il brûle, donc... C'est pas très grave. J'espère juste que Colin il a pas trouvé une meilleure grotte qui descend vachement profond. Ouh, j'ai pu voir un pseudo en dessous. Ouh, j'ai eu l'impression de voir un pseudo écrit en dessous, je sais pas si je me suis fait des idées, mais... Mmh. C'est le cas... Tu seras dans le même truc que moi? Alors, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un pseudo vachement plus profond, mais je suis pas sûr, en fait. Là, je le vois plus, donc peut-être que je me suis fait des idées, en fait. C'était peut-être, je sais pas, une particule, j'en sais rien. C'était peut-être une particule, en fait. J'en sais rien. Bon, on verra bien, de toute façon. Voilà. Hop, donc là, il y a un truc aussi... Là, il y a encore du fer ici, là. Bon, je vais arrêter d'en prendre de trop, j'en ai pas besoin d'autant. Enfin, je peux me faire une armure, remarque, après, ça pourra me protéger un peu contre les mobs. Déjà, on va se faire une pioche en fer. Ah merde, du coup, j'ai pas assez de sticks. Ah. Hop. Voilà. Quelques pioches en plus. Et ensuite, bon, on va se faire un début d'armure. Tac. Hop. Tac,
Tac, tac. Ah, il faut que je me fasse une épée aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je vais essayer de voir si je trouve pas... Ah bah tiens, encore du fer ici, de bloc, j'allais dire. Alors voilà, encore d'autres. Ouais non, je crois que c'était vraiment une... C'était vraiment une... Comment... Une particule, le truc que je pensais que c'était un pseudo, parce que j'ai encore eu l'impression, mais non. Je crois que c'est juste des particules, en fait. Voilà, hop, je vais me faire une épée maintenant. Donc j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit de mon PC qui est en train de s'exciter totalement là. Hein, voilà, ça fait ça d'avoir un PC qui n'est pas très très... voilà. Mm. On n'entend pas le tien en tout cas, quoi, donc c'est déjà pas mal. Ouais, mon PC il est silencieux. Voilà, bon j'ai dit... Ouh, j'ai vu Seb, j'ai cru que c'était Colin. Je me suis dit, oulala, non il est dans le truc que moi, mais en fait non c'est juste Seb. Je sais pas si Seb il a trouvé des trucs. En tout cas il est là. Ouais, il a le skin de... Voilà, c'est un gars, mais il a un skin de fille. Bon, pas très grave, ça. Et surtout le skin de la personne qui a pas changé son skin, en fait. Ah, ça continue à descendre, en fait, par ici. Intéressant. Il y a des mobs quelque part, par contre. Tu pars sur une mine ou sur un minage opti, toi? Non, une mine. Ok, bah moi, je suis en minage opti. D'accord. Bah au moins comme ça, les gens ils auront deux points de vue. Ouh là, ouais, un point de vue chiant, un point de vue cool. Voilà. Ah mais puis là, on a... en plus on est tombé dans une mine. Il y a une vraie mine quoi, il y a du bois. Oh là là, ça se trouve, il y a des coffres. Imagine, il y a des coffres, il y a de l'or dedans. Oh, ça, oh bah, c'est bon, t'as gagné, je pense. Ah non, mais ça veut rien dire, hein. Il y en a peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai vu un truc en bois et c'est pas moi qui l'ai posé, donc c'est sûr que c'était là de base. Bon, je vais récupérer les restes de mes blocs de fer. Normalement ils doivent être tous brûlés. Oh putain, il en reste encore deux qui n'ont pas brûlé là. Sérieux? Bon, je vais casser la table de craft en attendant. Ah mais je trouve toujours les mêmes trucs, c'est chiant là. Oh non, attends quelques secondes, le temps que le dernier bloc de fer est cramé. Voilà. Tu trouves toujours le même truc, donc ça veut dire que tu trouves des trucs mais pas ce qu'il te faut. En gros tu trouves genre de la redstone. C'est ça? Oui, j'ai trouvé de la redstone en plus, c'est vrai. Ah t'as déjà trouvé de la redstone? Non mais bon, nous on n'est pas assez profond de toute façon là. Hein. Clairement. Je sais pas si Lucie elle est avec toi ou pas. Non. En tout cas, moi et Seb on est ensemble là, mais on est pas. J'avais pas vu. Ah. Alors il me semble que c'est par là qu'on peut descendre. Oh, il y a du. Oh, ça c'est intéressant. Oh oui. Bon, faut que je réussisse à trouver un moyen de descendre. Ouh là, il y a de la lave par contre là. Ouais, par là-bas il y a des. Ouh, je sais pas si je vais dans la mine parce que je me dis qu'il y a peut-être des coffres. Oui, j'ai 8 charbons moi. Oula. Il m'a brûlé le mec. Oula. Il faudrait. Ouh, j'ai perdu beaucoup de vie. En plus, on n'a pas de nourriture, donc du coup, c'est chaud. Il me reste plus que 3 cœurs. Il y a de l'eau en bas. J'ai bien envie de descendre là, mais. Oh, il y a un bloc d'or! Oh, j'ai vu un bloc d'or déjà. J'ai. Oh oui, il y a un bloc d'or. Oh mince, c'est vrai que c'était de la d'or ça. Il y a un bloc d'or, donc je vais essayer d'aller le récupérer. Bon, il n'y en a qu'un, mais. J'en ai vu un pour l'instant. Je vais essayer de descendre le prendre. Parce que je l'ai vu. Clairement, je l'ai vu. Ouais, tu peux prendre le charbon si tu veux. Là, par contre, il va falloir que je descende en faisant vachement attention. Du coup. Derrière toi, Lurula, je suis derrière toi. Hop. 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 Donc voilà, donc on va descendre petit à petit. Il va falloir que je fasse un petit peu gaffe, par contre, à pas me péter la goule. Sinon, je suis dans la merde. Pareil, quand on va remonter d'ailleurs. Ouh là, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une coulée de lave pas très loin. Alors, le bloc d'or, je sais plus, il est où. J'espère que je vais pas passer au-dessus. Bon, c'est bon, j'ai gagné. T'es sérieux? Bah, j'ai 4 diamants. Je les ai mis dans le truc, là, dans la maison. Ah, ça y est, t'as déjà fini? Ouais. Ok, bon, on va sortir, aller voir. Hein, T'es sérieux? En fait, tu faisais genre mine de rien et tout, et en fait, tu les avais déjà trouvés, j'ai sûr. En fait, quand je t'ai dit que je trouvais rien, je trouvais vraiment rien. Et puis, juste après, j'ai fait ah bah tiens, du diamant. En fait, après la vidéo, j'irai voir dans la mine s'il y avait des trucs. Ça se trouve, j'aurais bien fait d'y aller. J'ai même pas tout pris, il restait au moins un ou deux diamants. Bah de toute façon le but fallait que t'en ramènes un seul donc. Bah oui mais bon je me dis allez hop YOLO j'en prends 4. De toute façon t'avais bien remarqué qu'on avait rien trouvé encore. Donc enfin on aurait pu aussi faire l'affaire comme toi mais non. Voilà alors le spawn. Voilà, oula il y a eu un creeper qui a tout explosé. Bah y'a rien du coup, tu les as mis dans le coffre? Non ils sont derrière lui. Ok il est là, voilà, bon bah ils ont trouvé leurs diamants. Donc voilà, donc bah bravo.
Donc bah c'est Colin qui va avoir gagné la carte. Alors c'est toi qui décides, Colin, si tu veux garder la carte ou si tu veux la donner à Lucie, vu que c'est ensemble, hein, voilà. Moi je veux bien que tu la gardes. Ah tu veux bien que je la garde? Ouais mais non, mais c'est pas ça. Ah bon? Bah je sais pas. Tu la... toi, tu... soit tu la prends ou soit tu la donnes à Lucie. Bah je la veux bien moi. Ok. Pour le coup. Voilà. Bon alors du coup on va arrêter l'enregistrement là et on va retourner pour voir c'est ce que c'est que la dernière carte du coup parce que on aimerait bien savoir. Voilà donc on va bien voir qu'est-ce que c'est que cette carte du coup que Colin a gagné. Attention et ben c'est un flot tout en rare, voilà. Donc c'est pas une ultra. Dommage, dommage pour toi. C'est pas une Attends, ultra. c'est je Bon. connais même pas le Pokémon, c'est quoi? C'est un flot tout en, donc c'est un Pokémon qui Peux est me la sorti montrer genre dans Ouais Noir et non, Blanc. Ah ouais, tu peux mais pas me la je te la montrer ouais. montrerai après sur Skype, parce que là Ok, je peux pas ok. te la montrer comme ça. Voilà, donc c'est un Pokémon qui est sorti dans Noir et Blanc, hein. Donc c'est de la 5e génération. Donc Ah oui, ça ok, m'étonne ouais, pas je que connais tu pas le du connaisses. tout. Ça m'étonne pas que tu le connaisses pas du coup, voilà. Ouais. Donc voilà. Bon bah on n'a pas eu de chance, hein. Bon, en même temps avoir une ultra dans un seul booster, il aurait fallu avoir vraiment un gros coup de chance, mais bon. Bah du coup voilà, hein. Donc voilà, t'as gagné la carte. Donc du coup. Eh ben dites-nous ce que vous avez pensé de cette idée, hein. Donc la prochaine fois on fera probablement dans un autre jeu. Donc bah là on a fait dans Minecraft, mais voilà, donc c'était juste pour un petit test comme ça de l'idée que j'avais. Si jamais ça vous plaît, peut-être qu'on fera avec d'autres jeux, donc voilà. Hein. Donc des jeux qui n'ont pas forcément de rapport, donc, comme là bon, voilà, il n'y avait aucun rapport avec l'univers de Pokémon. Et puis bah voilà, quoi, du coup. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Salut tout le monde!